Salam. Sada! Pour le premier mouvement de Ehan Sandan, si vous voulez revoir ces principes, vous le retrouverez dans les vidéos des katas précédents. Donc je vais vous mettre en haut sur le côté. Vous retrouverez Ehan Shodan ou Ehan Idan. Vous regardez et vous allez retrouver ce mouvement du bassin. Donc ici, lorsque vous êtes placé devant en yoï, on va partir du principe que vous allez relâcher au niveau du bras votre coude. Donc ici, quand on est en yoï, on est en préparation. Si je relâche mes bras, ils retombent. Ici, relâcher, il retombe. Donc ici, on va les relâcher, mais on va relâcher que au niveau du coude. Pour relâcher le bras. Ici, yoï, relâcher le coude et relâcher. Mais on garde l'avant-bras qui est positionné pour faire la position de préparation de début de kata. Yoï, relâcher le coude et on relâche le coude. Donc ici, de face, ça donne quoi? On est ici. Je relâche les bras en entier. Je reviens en position yoï. Je relâche uniquement à partir du coude. Et là, j'ai relâché. Même chose de l'autre côté. Je relâche. Reviens. Je relâche. Voilà. Donc, il faut apprendre à relâcher les bras. Une fois que vous avez relâché les bras, à quoi ça va servir? Votre bassin, il doit se placer. Pour préparer Uchi-Uke sur le côté. Donc ici, au moment où vous allez tourner votre bassin pour préparer la trajectoire, de manière à orienter et pouvoir ouvrir à la fin, votre bassin va se placer comme ceci, dans la trajectoire. Puisque votre bassin se place sur le côté, lorsque vous avez relâché le coude, votre poing est là. Votre hanche va se préparer là-bas. Donc ici, c'est comme si vous étiez là. Relâchez, allez là-bas. C'est comme si vous aviez fait la préparation pour effectuer Uchi-Uke après. Donc vous n'avez pas besoin d'aller chercher, vous avez besoin de vous enrouler. Il faut s'enrouler sur votre bras, s'enrouler sur votre bras, s'enrouler sur votre bras. Il faut se visser. Donc ici, vous êtes là, relâchez et rentrez. Et là, vous avez uniquement un effet de compression ici pour préparer le bras, pour après l'ouvrir. Et la même chose pour la préparation de l'autre côté. Ici, on relâche. Puisque votre hanche va tourner là-bas, vous allez associer le bras avec la hanche. C'est-à-dire que les deux, tout ça plus le bras, ça fait un socle. Et vous allez tourner tout. Ici, tournez tout. Vous pourrez faire la même chose ici, avec le bras tendu. Mais on relâche le coude, de manière à être dans la préparation du Uchi-Uke pour ouvrir ensuite de l'autre côté. Ce qui veut dire qu'ici, on relâche, la hanche va tourner, avec ce bras-là qui se relâche aussi, relâcher,
et en même temps, je tourne la hanche pour que la hanche vienne sous le bras, et lui, il va accompagner la hanche. Donc lui, plus lui, ça va ensemble. Cette partie-là, elles vont s'additionner. Donc ça, c'est relâché et ça s'additionne. Cette partie-là, c'est relâché et ça fonctionne ensemble. Et là, vous avez l'association des deux. 1. 1. Et après, il faut chuter. Comme dans tous les katas. Chuter pour pousser. Chuter pour pousser. Et après, effectuer la virgule. Un mouvement sous forme de virgule. Donc ici, relâcher, relâcher groupé. Et après ici, il n'y a plus qu'à ouvrir avec les coudes. Et ouvrir ici, vous avez votre position. Et ensuite, vous avez les deux. Ici, comme ceci. Relâcher, comme ceci. Relâcher, comme ceci. Et avec le coude bien derrière. Ici. Pas là, là. Ici. Et donc, vous avez ce mouvement qui est possible par le fait de minimiser au niveau des bras, en relâchant un seul bloc avec tout le corps ici pour tourner. Lui, il reste sur place et c'est le corps qui vient. Et l'association des deux fait que vous êtes préparé au chiuké. Ici, vous n'avez plus qu'à effectuer le mouvement de fermeture et ouvrir. Et là, vous avez le coude serré et au chiuké avec, dans l'idéal, un point entre le côté du corps et le coude. Ici. Également au départ du kata, soyez vigilant à ne pas déformer vos genoux. C'est-à-dire ici, lorsque vous démarrez, le genou il se casse et après il se rouvre. Il faut minimiser ça. C'est-à-dire ici, il faut vraiment essayer de rester droit pour ouvrir. Donc le genou il ne doit pas se casser. J'exagère pour ouvrir. Non. Il doit essayer de rester droit. Droit ici. Autre point également sur le premier mouvement, faites attention à votre pied. C'est-à-dire, regardez le pied ici. Pas ça. Ça arrive qu'on le voit. Donc ça, non. On doit chercher à directement le pied. Ici, 1, directement. Donc à la fin, votre pied, si je prends un livre, il n'arrive pas, là c'est le talon, là c'est ça, et là c'est ça. Votre pied, il n'arrive pas comme ça, et comme ça. Il n'arrive pas non plus comme ça, et comme ça. Il doit essayer d'arriver à plat, directement, mais légèrement l'avant d'abord. Donc légèrement et direct. 1. Directement. Pas comme ça. Et pas. Et vraiment les deux. Ensuite, pour les mouvements suivants, deuxième et troisième mouvement après Uchiuke, vous avez un double blocage. Uchiuke. Geden Barai, serré, et même chose de l'autre côté. Pour pouvoir ramener votre corps de la position Kukutsudashi à ici se positionner debout, il y a un travail à effectuer sous la jambe, au niveau de la cuisse et au niveau du pied qui doit s'agripper au sol. Donc comment ça marche? Votre pied, dans la logique, c'est comme s'il faisait ça. Comme ceci. Et on tire. Et ensuite, le pied, lui, il va pas bouger. Il va rester ici. Donc ça veut dire que vous allez voir faire cet effet de tirage en restant le pied ici. Là, on va chercher et on revient. 1, on va chercher et on revient. On va chercher et on revient. Et ce travail de tirage, c'est celui que vous devez trouver quand vous êtes là pour arriver ici. C'est-à-dire comme ceci, vous êtes là, et là il faut tirer. Même chose de l'autre côté.
Même chose de l'autre côté. Et ici, tirer. Donc il faut vraiment tirer, souple, sans lourdeur. Tirer, tirer. Et venir grouper le corps. Lorsque vous avez réussi à regrouper de manière à vous retrouver ici, ici, faire le double blocage. Donc après Uchiuke, 1. Ici, il va falloir serrer et grouper, grouper, grouper pour bloquer. Grouper pour bloquer. Grouper pour bloquer. Grouper pour bloquer. Donc il faut vraiment serrer, ouvrir. Serrer, ouvrir. Serrer la hanche, ouvrir. Serrer la hanche, ouvrir. Ensuite, sur le mouvement suivant, au niveau de Morotéouké, souvent on voit quelque chose comme ça, c'est-à-dire soit ça part direct, donc ça faut pas faire, soit ça part direct, les bras partent là-bas, et ça descend direct en diagonale pour faire Morotéouké. Donc là, vous descendez comme ceci, donc là, c'est pas bon. Il faut d'abord descendre et aller comme ceci. Donc descendre droit comme ça, non. Vous allez aller bloquer là-bas, et celui-ci, ils vont partir là-bas pour aller là-bas. Donc ça, il faut éviter, puisqu'en fin de compte, vous avez une attaque qui arrive. Si vous reculez, pourquoi pas, d'accord, vous êtes ici. Vous pouvez éventuellement avoir le temps de faire l'aller et le retour, mais en fait, vous faites un aller, un retour, un aller, un retour. Donc vous perdez du temps. L'idée, c'est plutôt de, parce que déjà vous devez descendre, on doit descendre pour aller là-bas. On doit faire l'effet de virgule. Comme au départ du kata. Donc ça veut dire qu'on va descendre et les bras aussi vont faire la virgule. On va revenir ici normalement pour aller droit et pas partir là-bas pour aller là. Donc ça c'est pas bon. Là-bas pour aller là, ça c'est pas bon. On doit ici et après directement. 1, directement. Et quand vous reculez, bah, c'est pareil. Si vous devez aller derrière, c'est la même chose. Donc il faut passer par le centre et pas partir loin pour aller là. Ici, une fois que vous avez effectué le blocage Osaeuke Nukite, vous allez devoir tourner. Donc la première des choses ici, c'est de tourner le bassin, parce que vous êtes de face. Vous allez tourner les hanches trois quarts et en même temps, vous allez tourner vers le bas. Donc ici, comme ceci. Et là, vous allez devoir partir comme ceci, c'est-à-dire vous êtes là, ça monte là, et c'est autour du point que vous allez devoir pivoter pour effectuer tête dessus de l'autre côté. Premier ici, 1, sans se pencher. C'est-à-dire c'est pas ça, ça c'est pas bon. Votre corps doit rester droit. Et tourner. Donc la même chose de l'autre côté. 1, ici, descendre. Pivoter comme ceci. 1 et direct. Ensuite, lorsque vous avez effectué tête suit, il faut revenir devant pour repasser de face. C'est-à-dire, c'est pas je pousse et je fais mon coup de poing. Votre corps il est droit et le fait de pousser, vous allez partir en diagonale. Non. Il faut grouper comme au début du kata ici. Bah, c'est la même chose. Ici, grouper, se placer, rester droit. Se placer, rester droit. Donc là, c'est pareil. Et ici, droit. Et venir avec le pied sans faire ça. Non. Grouper, garder, et ici Oizuki. D'accord? Donc je remonte. 1. La même idée que ça. 1. Droit. Opposé. Et Oizuki. Lorsque vous êtes arrivé ici, vous allez devoir pivoter. Donc ici, vous allez avoir au niveau du talon, si on fait de manière séquencée, temps par temps,
2 et 3. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, si j'ai mon pied là et que je reviens là, je peux partir coucou dessous. Je peux partir coucou dessous. L'idée, c'est vraiment d'être ici, 1, comme un coucou dessous. Donc vous êtes ici à la fin, 1, 2, comme un coucou dessous, et ramenez, et ici. Donc en partant, 1, 2, 3, et on est placé. Et après, vous le faites en un seul temps, sans le séquençage. Sans séquencer, c'est directement fluide ensuite. Donc ici, directement, 1, et remontez. Un autre point de détail sur lequel vous devez être vigilant, souvent quand on est arrivé au bout aussi au premier carré, on voit des choses comme ça. Donc ça, c'est à éviter. Quelque chose comme ça, où la personne se déplace, le bras il monte, et après je descends ici. Alors soit il est devant et il fait comme ceci, soit il est en hauteur par rapport à votre hanche, et il descend en bas. Donc ça, il faut éviter. Je recommence. Donc à éviter, ça c'est à éviter. Pourquoi? Parce que vous faites un effort. Au moment où vous montez, là vous avez un effort, et après vous relâchez vers le bas. Vous devez tirer votre bras, vous devez être là, ça doit être ça. C'est pas ça, non, c'est ici, c'est ça qu'il faut faire. Donc pour le faire, ici mon point, on considère que j'ai fait mon tsuki ici. Donc mon point il est là, et donc je suis ici. Si je me redresse et que je laisse mon point à ce niveau là, au moment où j'ai fait le tsuki, je suis ici, il est là mon point. Je me redresse et je le laisse là. Mon point, il est descendu. Si je garde la même hauteur, je vais l'emmener avec moi. Et après, forcément, je vais faire comme ceci. Si vous le laissez en bas, c'est votre corps qui va monter, mais lui, il va rester. Donc ça, c'est la première chose à comprendre. Votre point, il reste au même niveau, et vous, vous montez. Et pas les deux. Ça, c'est pas bon. Ici, en même temps, c'est pas bon. Ce qui est bon, c'est ici, ça, ça monte, ça, ça reste. C'est le premier point, ça. Ensuite, une fois que vous avez compris ça, vous allez légèrement relâcher. Légèrement relâcher. Monter, rester, relâcher. Et donc, du coup, quand vous allez vous tourner, votre point, il va être là. Et vous allez avoir plus qu'à faire ça. Donc ici, même chose, relax, relax, le corps il monte, relax un tout petit peu, et il va venir se placer. Donc c'est vraiment, et pas, d'accord, comme ceci. Alors ensuite, sur la ligne avec Yoko Uchi Empi, je ne vais pas revenir sur le détail de est-ce que c'est droit et direct, est-ce que c'est droit avec une virgule directe. Bon, il y a plein de méthodes, après là-dessus je ne vais pas me prononcer, d'accord. Le point sur lequel je vais vous donner le détail, c'est l'opposition que vous allez créer entre votre bassin et votre tronc, pour avoir cet effet de dynamique au moment où vous tournez, d'accord. Donc quand vous êtes ici, sur le premier, c'est le plus difficile. Parce que sur le premier, vous n'arrivez pas de derrière. Vous êtes directement sur place. Ça veut dire qu'il va falloir faire une sorte de vrille sur place. C'est le plus difficile. Donc quand vous êtes là, on a tendance à monter et avoir déjà la hanche qui part un peu sur le côté. Et du coup, au moment où on va tourner, bah, on va poser, mais on n'a que le bras. Or, ce qu'il faut, c'est que ce soit la hanche plus le bras. Il faut que ce soit les deux. Comme dans Ian Godan. D'accord, Ian Godan, ici, c'est pareil, avec Mikazuki. 1. Et le dernier moment, c'est hanche plus MP.
Et bien là, c'est pareil. C'est la même logique. On doit conserver la hanche légèrement en retrait, garder les coudes sur les côtés, pas tourner les coudes alignés, monter, essayer de s'asseoir. La même chose que lorsqu'on fait au Izuki. On oppose pour faire Tsuki ou sur Magere lorsqu'on reste en retrait. Lorsqu'on fait un Magere où on reste derrière, on va opposer la hanche et le genou. Et si on avance, mais on va opposer le bassin. Donc là, c'est pareil. On pourrait faire Magere. Sauf qu'on fait 1, on oppose. Et au dernier moment, ici, avec le coude. Donc, au moment où vous avez décalé l'attaque, c'est là où vous allez passer par-dessus. Sans faire ça, directement. Dessus, en dessous. Dessus, en dessous. Dessus, en dessous. Là et là. Et pas. D'accord? Et pas. Non. D'accord? Et bien le coude. Et au départ, monter, opposer pour tourner avec le bassin au dernier moment. Ensuite, c'est la même chose lorsque vous avancez d'un pas. Mais c'est plus facile parce que vous arrivez d'une autre position. Donc l'effet d'opposition, vous l'avez créé derrière. Ici, 1, 2, 3. Au moment où vous allez monter, vous restez sur l'arrière, avec les coudes sur les côtés. 1 et 2 ici, pour après effectuer. Donc gardez bien l'hanche placée pour le dernier moment, et l'hanche placée pour bien écraser ici. Quand vous avez effectué les trois techniques et vous êtes arrivé au bout, ici, 1, 2, deux méthodes au choix. Donc, première méthode, doucement et placé. Deuxième méthode, direct. Direct, pour partir. Mais bon, dans d'autres écoles, vous pouvez faire 1, préparer et 2. Moi, je préfère la deuxième, celle-ci. Alors ensuite, comment est-ce qu'on effectue le mouvement une fois qu'on a bloqué, qu'on a fait Huraken, qu'on est revenu? Comment se passe ce geste-là? Donc on retrouve exactement la même logique qu'au début du kata et Hansandan. C'est-à-dire ici, 1, 2, la hanche ici, elle va aller par là, elle va se décaler comme ceci. Et le bras, lui, il va se relâcher, 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 relâcher. 1, 1, 1, 1, 1, 1, ça. Et d'ici, on va déployer avec le coude, et en même temps, la hanche repart de l'autre côté. Donc, 1, 2. 1, 2. 1, 2. Et après, il faut relâcher votre bassin pour pouvoir directement en un seul temps sur un petit espace. C'est-à-dire dès que ça bouge, dès que ça bouge, dès que ça bouge, dès que ça bouge, ça repart. Dès que ça bouge, ça repart. Ici, dès que ça bouge, dès que ça bouge, dès que ça bouge, hop, tout de suite. Et ici. Et au moment où vous faites le mouvement, vous devez être en appui sur le pied ici. Pour pouvoir pousser et tirer pour avancer en Izuki après. Donc le travail du pied, ici, en appui, pour pouvoir avancer et faire en Izuki. Ce qui donne le mouvement total, ici. Tirer, pousser, et là vous avez la technique. Enfin, dernier point concernant les deux attaques ici que vous faites sur les côtés, soyez vigilant à ne pas faire un placement de vos poings comme ceci, c'est-à-dire la paume de la main vers vous, et comme ceci, et comme ceci. Vous devez avoir votre poing avec la paume de la main vers l'épaule. Ne pas avoir le coude qui monte, ça c'est pas bon.
ça c'est pas bon, mais en diagonale, en diagonale. Et le point, ça, non, 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 mais droit. Alors pourquoi à la fin, votre point, il ne doit pas être comme ceci, mais comme cela? Pour une raison très simple. Si vous faites comme ceci, au moment où vous allez monter, c'est au niveau du muscle devant que ça va travailler. Donc, faire comme ceci, vous allez avoir le biceps qui va bloquer votre bras. Et en plus, ça va contracter au niveau des pectoraux, qui fait que vous allez avoir une masse musculaire ici, une masse musculaire ici. Ces deux-là vont se comprimer et vous n'arriverez pas à aller loin. Vous serez plus court. Donc ici, pour aller plus loin, il faut pivoter le poignet. Et vous verrez ici, le biceps, il est plus mou. Je tourne ici, c'est plus dur. Je tourne ici, c'est plus mou. Et là, je peux serrer plus. Là, je peux serrer moins. Là, je peux serrer plus. Et donc, cet angle-là, ici, vous allez avoir le biceps qui va être moins gêné par le pectoral qui est ici. Et vous allez pouvoir monter plus loin. Si vous prenez votre main comme ceci, et que vous allez là, et que vous essayez de toucher loin derrière, c'est plus difficile que si vous êtes complètement à l'envers, et là vous pouvez aller plus loin. Sauf que vous ne ferez pas un tsuki comme ça. Donc c'est pas ça, non. C'est ici, et là vous pouvez aller plus loin ici. Donc pour pouvoir aller plus loin, il faut que votre point il soit dans cet axe-là. C'est vraiment un point important.